Je reconnais maintenant Monsieur le député de Bourget. Merci, Madame la Présidente. Avec le décès de mardi du grand compositeur Jacques Étu, le monde de la musique classique au Québec est en deuil. Il y a à peine quelques semaines, malgré la maladie, il était présent au gala des prix Opus pour recevoir un prix hommage du Conseil québécois de la musique, couronnant une carrière exceptionnelle de compositeur et de professeur. Avec plus de 70 œuvres majeures présentées au Québec et à l'étranger, le nom de Jacques Étu figure aujourd'hui au tableau d'honneur des grands créateurs du Québec. Au cours des derniers mois, d'autres personnalités du monde culturel nous ont quittés. Il s'agit de l'éditrice Raymonde Simard-Martin, de l'écrivain Bruno Roy, de la marionnettiste Micheline Legendre et de l'écrivain Georges Anglade qui, avec son épouse Mireille Neptune, a péri dans le terrible séisme en Haïti. Nos condoléances vont aux familles de ces créateurs qui ont marqué notre univers culturel. Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci, Monsieur le député de Bourget.